Alors, comment ça s'est passé l'entrée en prépa, le choix de la prépa? Alors moi, je suis rentré en prépa à l'externat en 2015. Et pourquoi choisir une prépa? Parce que je voulais rentrer en école de commerce et que je voulais une formation d'excellence avant tout, avant de rentrer en école et de m'orienter dans la vie de l'entreprise. Et le sentiment par rapport au travail en prépa? C'est à la fois une très forte exigence parce que il faut répondre aux exigences d'un concours, mais c'est également beaucoup de camaraderie, beaucoup de souvenirs, beaucoup de très bons moments et d'union dans ce gros défi qu'est la prépa et qui permet de vraiment se développer et de se préparer à la vie en école. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé après la prépa? Alors moi, je suis rentré, du coup, j'ai fait 3 ans de prépa et je suis rentré à l'EDHEC en 2018. J'ai passé 4 années entre Lille, Paris et Buenos Aires en Argentine, où j'avais fait un échange. Et aujourd'hui, suite à ce passage en école, je vis à Paris, je travaille à Paris dans une entreprise d'immobilier. Grâce à ma prépa et grâce à mon école, je suis pleinement épanoui dans ce que je fais aujourd'hui. Et des souvenirs de l'externat en particulier. L'externat, pour moi, c'est le début de ma vie étudiante. C'est, comme je le disais, ce mélange d'excellence et de franche camaraderie. Je m'y suis fait parmi mes meilleurs amis, avec qui je partage toujours énormément. Et c'est des professeurs qui sont extrêmement inspirants dans la totalité des matières et qui sont là vraiment à la fois pour transmettre cette exigence, pour transmettre leur savoir et pour accompagner les étudiants du mieux qu'ils peuvent et les soutenir pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Ok.